La vue est magnifique et nous sommes vraiment à 50 mètres de la mer. On descend pour le petit déjeuner. Ici, on a des œufs. Ici, c'est génial, c'est toutes les salades composées. Bon, ben, après bonne réflexion, j'ai pris des pommes de terre avec de la crème béchamel et crème liquide avec un petit peu de fromage dessus, une petite salade de légumes composés, un petit peu de thon. J'ai pris une petite tranche de fromage, du beurre et un petit peu d'assaisonnement avec de la carotte. Voilà pour moi ce matin. On va où? À la piscine. Allez, on descend. Allez, let's go chérie. C'est bien, on y va. Ah là là, quel beau soleil! Waouh! Ok, nous arrivons à la piscine. Oh chérie, les serviettes! Allez, tu prends une serviette. Hop! Et on va se mettre. On va se mettre ici. Regarde. Là, chérie. En plus, on a une petite table, une petite chaise. On a tout ce qu'il faut. On va mettre la crème. Waouh, les filles, on a un soleil magnifique. L'eau est super bonne et en plus il fait super bon. On va mettre la crème solaire tout de suite à la puce. Chérie, on va mettre la petite crème, d'accord? Et oui, une petite couche de protection pour sa petite peau toute blanche est hyper importante. Le soleil tape très fort, en tout cas, on a vraiment du beau temps. L'eau de la piscine est chaude, donc c'est avec un grand plaisir que je regarde mes puces prendre du plaisir, se baigner et surtout passer du bon temps. Nous sommes montés dans la chambre et nous nous sommes douchés. Alors, elle m'a l'air complètement épuisée. Elle est KO. Il est 4 heures, donc je pense me faire un petit café maintenant. Je profite que ma petite puce est en train de dormir. Je vais aller tout de suite sur la terrasse, boire mon petit café puisque j'en ai très envie et c'est mon petit moment de détente
Je vais regarder la mer et sentir l'air marin. En fait, ça donne ça. Oh là là, on est vraiment à exactement une, allez, on va dire, cinquantaine de mètres de la mer. On ira se promener aussi. Je vous emmène avec moi, ça c'est sûr. Voilà, allez, on se prépare le petit café. Puis je suis trop contente de boire mon petit café en face de la mer. C'est juste magnifique. Allez avec moi. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai une petite bouilloire dans ma chambre avec le café, le sucre et du thé. 4 heures est généralement l'heure où je prends mon petit expresso. Donc j'en avais très envie depuis tout à l'heure. Et le boire comme ça en face de la mer, franchement, ça n'a pas de prix. Non, vous ne comprenez pas le plaisir que c'est d'être assise ici avec ce café en main et face à cette mer. Je vous assure que, waouh, j'attendais ce moment avec impatience et en plus, je suis avec vous. Donc vraiment, je suis super, super heureuse de partager tous ces moments avec vous. Les filles, ce que je le fais et je le fais vraiment à chaque fois avec beaucoup de cœur et... partager toutes ces choses et par moments vous montrer aussi les hauts, les bas. C'est important de tout partager. Alors en fait, je ne suis pas partie très loin puisque je suis pas trop loin de chez moi. Je suis entre la frontière égyptienne et jordanienne. Donc voilà, vous imaginez le paysage et vous imaginez... ici, les montagnes que nous avons, ce sont des montagnes de sable. Pff, franchement, c'est époustouflant. J'ai douché hors, il est actuellement 4 heures. On est resté à la piscine depuis ce matin. Et donc, elle est douchée, elle est habillée pour ce soir. Je pense que cet après-midi, on va aller se balader un petit peu. Je dois m'acheter deux petites choses. En fait, j'ai pris mon maillot, mais j'ai pris le bas, mais j'ai pas pris le haut. Donc, pour le coup... il va falloir que je trouve vite un haut qui corresponde au bas de mon maillot. Je pense qu'on ira faire aussi un petit tour, acheter des petites bricoles. On a ici un petit frigo. On est là en demi-pension, mais vous savez, des fois, la petite a des petits creux, les filles aussi. Il y a ici un supermarché juste à côté. Donc, je pense que je vais acheter des petits snacks, des petites cacahuètes, des petites chipsters, des chips, bières, etc. On aime bien faire l'apéro ici. Voilà, j'attends que la petite se réveille. Je pense que je vais aller se dormir une petite heure pendant que je bois mon petit café au bord de la mer. Et pour le coup, les filles, c'est un super moment de détente. Vous pouvez même pas vous imaginer, c'est tellement agréable. Franchement, je le souhaite à vous toutes. Parce que c'est des moments comme ça qui sont tellement importants quand on peut. Dire qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vivent avec la mer à côté. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Allez, on se prépare. Ce que j'ai utilisé pour mes lèvres ici, c'est exceptionnel, c'est de Pupa. C'est juste incroyable. Alors, je vous mets la référence. En fait, vous avez ici le crayon à lèvres pour le contour. De l'autre côté, vous avez carrément le rouge à lèvres et il est magnifique. J'ai noté ici le 004 de chez Pupa. Il est sensationnel, il est hyper naturel et ça fait des lèvres magnifiques.
Je vous rassure, j'ai pas des lèvres aussi pulpeuses que ça. J'ai vraiment fait ça grâce au crayon. J'ai horreur des démarcations, donc le visage, le cou, ensemble. Et une dernière chose. Alors moi, pour l'été, ce que j'adore au niveau des parfums, surtout quand je pars en vacances, c'est le parfum de Monoï de chez Yves Rocher. Je l'adore. C'est vraiment l'odeur voilà, des vacances. Et j'adore. Ça sent trop bon. Et voilà, je suis enfin prête. Alors, la petite chemise que je porte vient de H&M. Je l'ai achetée il y a de cela 2 mois. Je ne sais pas si elle est encore en rayon. Mais je la trouve vraiment très très chic. Bon, j'ai terminé de me préparer. Nous allons maintenant sortir dans un centre commercial. Ici, il y a des choses super jolies ici. Les plateaux, tout ça, c'est magnifique. Les filles, ça c'est des petits tops qu'on met vraiment sous les petites robes, vous savez, qui sont un petit peu trop échancrées. Ça peut être sympa. Oh, j'adore. Ah, ça c'est mes chaussons qui s'étaient esquintés, que j'avais abîmés. Bon bah là je crois que je vais lui les prendre. C'est des petits chaussons pour ma petite chérie. En plus elle en voulait comme maman. Oh là là, celles-ci aussi sont trop belles. Et franchement elles sont vraiment pas chères. Alors j'ai ici un crayon à sourcils, j'en ai testé plusieurs. Ça ce sont des parfums d'ambiance pour l'intérieur, moi je les utilise pour mes têtes d'oreiller, elles sont toutes à base d'ambre. Je prends le numéro 2. Et c'est parti pour le deuxième jour, ouvrir la fenêtre et voir ce que je vois de bon matin. Mais quel plaisir! Je vous emmène un petit peu à la mer. Je vous emmène avec moi. Par contre, elle est glacée. Allez, on a fait la doudouche. Allez, hop, les habits. J'en profite pour lui étendre son petit maillot et son petit t-shirt. On a ici encore un fort soleil.
donc ça séchera rapidement. Une petite surprise venant de l'hôtel, j'en profite pour faire un petit réel sur Instagram. Allez, si on trinquait maintenant. Santé les filles! Pour tout vous dire, ça passe super vite. C'est vrai que les journées ici sont très intenses, sont pleines. En plus, on a de la chance parce qu'on a vraiment les beaux jours et le soleil est au rendez-vous. On s'apprête à sortir, on s'est douché, reposé. On a même eu le temps de boire un petit verre de vin. Et puis on va se balader encore un petit peu aujourd'hui puisque c'est le deuxième jour. Alors voici le plaisir quand nos filles grandissent. Merci. Je me vois, tu me fais rien. Allez, on sort en balade. Or, tu dis coucou? Non, moi je peux, le jour où il y a du soir. Eden. Alors en fait, on se balade en bord de mer et vous avez les magasins que je vais vous montrer sur le côté gauche. Je viens de rentrer dans un magasin qui s'appelle Kopangan Tiger. Regardez, c'est génial. Les petites calculatrices, les petites règles. Ça, qu'est-ce que c'est? On va regarder. Attends. J'adore ce magasin, il y a vraiment de tout. Si c'est des planeurs, des to-do list, franchement, c'est génial pour l'organisation de la maison. Il y avait tout plein de choses. Et j'ai trouvé pour moi une chose qui m'intéressait énormément, c'était le planeur à l'année qu'on verra ensemble plus tard. Ça, c'est génial. Alors vous savez, il y en a beaucoup d'entre nous qui adorent être sur les écrans, sur les ordinateurs. Moi, je suis encore à l'ancienne. J'aime avoir un stylo. J'aime écrire, j'aime noter. J'ai besoin de cette sensation encore du papier. Toutes ces choses-là sont vraiment, vraiment nécessaires à mon organisation en tout cas. Regarde, Or, c'est en forme de dent. C'est en forme de dent. Ça, je pense que ça peut être sympa pour le parmesan sur les pâtes. Et au loin, on a tous les grands bateaux. Alors là, c'est une sorte de petit marché. Vous voyez, avec tout plein de choses. Viens chérie. Oh là là, il y a des jolies casquettes. Elle est jolie celle-ci, en grise. Non, moi je préfère celle-là, elle est trop mignonne. Il y en a une autre. Non, la grise est plus jolie. Viens voir la même. Tu préfères la rose ou la bleue? Je sais pas, je veux les deux. Non, un seul. Prends la rose, elle est belle. Elle est belle? Le monsieur, il te la donne. Du coup, j'ai pris la grise. Allez, on y va. On va rentrer, on va se reposer. Or. Alors, ma petite puce, qu'est-ce que tu as reçu? J'ai reçu tout ça. Oh là là! On va bientôt se préparer pour aller dîner à la salle à manger. Ok? Je commence à avoir un petit peu faim. On va pas tarder. Je voulais, c'était ok. Ok. Or est quand même en vacances, mais elle fait quand même ses devoirs. Monte ton crayon. Non, mais si. Mais si, il y a des. Burger. Il y a des haricots verts. Ici, nous avons des pommes de terre au four, du poulet et du riz avec des lentilles.
du pain pita. Il y avait ici toutes sortes de viandes grillées, des salades. On a ici des soupes. Attends chérie, attends. Attention, attrape-le chérie, attrape ton assiette. Et je veux de la... Viens avoir des viandes. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est une brique aux pommes de terre. Alors je vous montre les desserts. Bon bien pour Or ça a été du riz et du poulet. Moi j'ai pris des pommes de terre au four, de l'aubergine grillée, de la salade haricots verts et j'ai pris, je sais pas si vous voyez, c'est de la viande hachée farcie dans de l'artichaut. C'était vraiment très très bon. Je vous fais montrer l'hôtel le soir. Or, t'es en train de poser? Il est super joli. Il y a des palmiers de partout. Et c'est des vrais palmiers en plus. Voilà la piscine au loin. Viens ma puce. C'est nul parce que le soir, on ne peut pas aller à la piscine. Là-bas, on a la salle à manger. Il y a une salle à manger aussi extérieure. Allez, il est 23h, il est temps de rentrer, de monter et de se démaquiller. Un petit rituel, en vacances je me maquille très peu, juste un petit peu de poudre, de blush, de crayon à lèvres. Oui ma puce, nous avons vu ton nouveau crayon, elle pense vraiment à aller à l'école avec. Elle me rappelle toutes mes bêtises étant petite. Elle adore rester près de moi quand je me démaquille. En vacances... je mets juste un petit peu d'huile, ça s'appelle le baby oil et franchement je me démaquille avec. Et en même temps je graisse un petit peu ma peau avec le soleil de la journée. C'est important d'avoir une peau bien hydratée. Ensuite je mets ma petite crème de nuit, celle de Clinique. Elle hydrate énormément également. Et oui mes chéris, il est important de bien hydrater sa peau dès qu'on dépasse les 40 ans. J'ai personnellement 41 ans et il est temps maintenant d'hydrater sa peau correctement. Ce petit pyjama, je l'ai acheté à H&M. J'aime ces petits coloris d'abricot et taupe. En tout cas, je dors super bien. Il est 100% coton. On va regarder ce qui se passe un petit peu dehors. Vous avez ici tous les manèges. Là-bas au loin, c'est tous les hôtels. Ici c'est des manèges, ici c'est des petits marchands, ici c'est l'hôtel de nuit. Bon mes louloutes, c'est l'heure d'aller dormir, j'ai Or qui m'attend là-bas. Je vais aller faire un sommeil très très profond parce que je suis épuisée. On a eu une longue journée. Les vacances, c'est pas tout le temps. On veut en profiter à fond. Allez les filles, je monte au lit. Je regarde un petit peu la télé avec la puce. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.